Donc bonjour, voilà, nous allons commencer le cours d'aujourd'hui en analysant une peinture. Donc pour commencer, je vais vous demander d'observer cette peinture et d'écrire ce que vous voyez au niveau de la structure de la peinture. On reprend la main ? Oui. Ben, vous pouvez dire oralement, on écrira après sur la main. Une femme qui monte ses seins en avant-plan. Ouais, là en blanc, elle est assez sûre. Et au niveau des couleurs, si vous pouvez dire. Je vais passer avec le PC parce que c'est pas très bien. C'est la seule qualité. Ouais, c'est la seule en blanc. Et il y a du rouge. Vous voyez que c'est pour les neiges. Sur les draps. Oui, c'est les draps, c'est quoi? C'est les vêtements. Les vêtements des personnages, oui. Il y a un côté ici, on peut voir du noir plutôt. C'est des couleurs diversifiées. Oui, mais elle voit l'ensemble, c'est du brun. Oui, et aussi, est-ce que vous voyez d'autres au niveau des objets? Il y a un soldat à droite. Ils ont tous les bras levés. Oui, et ça, on peut faire ça comme un moment. Mais c'est un mouvement. Donc vous remarquez qu'il y a beaucoup de mouvements, donc on a dit avec les gestes, mais qu'est-ce qu'on peut voir où qu'il y a du mouvement? Dans la peinture en elle-même, parce qu'il y a comme une vague bleue. Une vague bleue? Sur la photo, là, on l'a pas mieux, mais ça fait comme ça, tout une vague. Ah oui, c'est possible, mais sinon, on voit aussi qu'il y a du mouvement au niveau des vêtements, des personnages, des tuniques. Ça flotte comme ça. Comme s'il y avait du vent. On peut voir. Faut te rallumer. Et là, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a un peu de la peinture. C'est plus des couleurs claires. Pas les couleurs. Là, c'est des couleurs beaucoup plus rouges que sur le tableau. C'est le bâtard qui fait ça, me semble. Donc, en fait, cette peinture a été commandée par Rubens en 1622 par Marie de Médicis. Et en fait, le tableau de cette peinture, c'est le lendemain de l'assassinat du roi Henri IV. Donc, on va reprendre cette trou ici. Là, il est décédé. Lorsque Marie prend sa place au pouvoir. Donc, Marie de Médicis, elle se trouve ici. Donc, on peut voir à gauche, comme je l'ai dit, le roi assassiné qui s'élève vers les cieux, qui est emporté par Zeus, et qui est aussi. Et Cronos, c'est le deuxième dieu, donc on peut le reconnaître parce qu'il tient une fausse nid. Et Zeus, ici, on ne voit pas très bien sur cette peinture, mais on voit qu'il est debout sur un aigle, qui est le symbole de Zeus. Donc, voilà. Alors, Henri IV, il a été assassiné par Ravaillac, qui est représenté en serpent ici. Donc c'est une représentation, mais en vrai c'est un homme qui l'a tué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc à droite on peut voir Marie-Médicis qui est habillée en noir parce qu'elle est en deuil, avec les mains croisées sur son torse. Elle regarde avec crainte la globe de l'Empire ici, un homme du temps. Et aussi le gouvernail, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous voyez peut-être sur vos feuilles. Ouais. Donc on peut voir que cette peinture, il y a vraiment un désordre, mais c'est donc l'auteur de cette peinture l'a faite d'une manière vraiment structurée. Donc on voit en fait que la peinture est divisée par une ligne verticale, donc elle divise en deux. Donc on peut voir d'un côté le monde réel, avec Marie qui va gouverner le peuple. Et de l'autre côté, on voit le monde irréel,
Donc avec l'Olympe, on peut voir que d'un côté, donc, comme elle est en deuil, c'est de l'ombre, et de l'autre côté, c'est de la lumière qui est dissoute parce que ça s'en va vers les cieux. Donc c'est une lumière dorée dissoute. Ici, on peut remarquer aussi que les courtisans sont tous dirigés avec des lignes obliques. Donc ça, je vais vous montrer ici. Comme ça. Vous voyez que chaque courtisan se trouve entre deux lignes obliques. Donc on peut voir que leurs regards sont dirigés vers la reine. Donc c'est le centre de tous les regards. Comme j'ai dit, il y avait un contraste de lumière et d'ombre. Et alors on peut remarquer donc qu'il y a ici un chien qui regarde vers Marie Médicis. Donc c'est le symbole de fidélité. Donc comme son mari lui a légué le pouvoir avant qu'il soit mort, si jamais il mourait. Et de l'autre côté, il y a une armure qui regarde le roi, son ami dans les cieux. Voilà. C'est donc la question 1. Donc maintenant, on va passer à la question 2. Donc là, je vais te demander qui est l'auteur de cette peinture. Rubens. Ouais, voilà, Rubens. Isabelle, à ta disposition, il y a un dictionnaire. Si tu veux bien me lire sa biographie. Donc Rubens, c'est un 1577 à 1640. Peintre flamand, il travaille pour les Gonzagues, l'architecte Albert, Marie de Médicis. Transféré chef d'un important atelier à Anvers, il a affirmé sa personnalité dans un style fougueux et coloré, aussi expressif dans la plénitude sensuelle que dans la violence. Voilà, donc vous le notez, je vais vous dicter. Pierre-Paul Rubens. Né en 1577 et mort en 1640. Pierre-Paul Rubens, né en 1577 et mort en 1640, était un peintre flamand. Il travailla pour des personnes célèbres comme Marie de Médicis. Il était chef d'un important atelier à Anvers. C'est pas fini. Il a affirmé sa personnalité dans un style fougueux et coloré. Ça, vous êtes fini. Donc maintenant on a analysé ce tableau et vous allez lire les deux définitions qui correspondent à deux courants différents en fait et vous allez devoir me dire à quel courant correspond la peinture que vous allez analyser ensemble. Je vais vous laisser un peu de temps pour ça.
Michel, t'as rien d'avoir fini. Alors, est-ce que toi c'est le baroque ou le classicisme? Ça peut pas être les deux. Non, non. Alors c'est le baroque. C'est bon. Est-ce que vous êtes tous les quatre d'accord? Oui. Alors, voilà, tu veux bien dire la définition du baroque? Le baroque est un style artistique du 16e siècle. Du 16e siècle ou du 18e siècle, qui naît en Italie et se répand rapidement dans la plupart de l'Europe. Il est caractérisé par l'exagération des mouvements, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension et l'exubérance. L'étymologie, le mot baroque signifie en portugais perle de forme irrégulière. Le mot est dérivé du latin veroca, qui peut prendre le sens de défaut. Voilà, merci à Michel, c'était bien le baroque. C'est le point de la leçon du jour. Ensuite, après notre visite au musée, on va analyser deux tableaux de Rubens qu'on va observer. Donc, il s'intitule Le Martyr de Saint-Gobain et Le Couronnement de la Vierge. Pour commencer, on va analyser le Martyr de Saint-Gobain. Est-ce que vous pouvez me. Isaline? Est-ce que tu peux lire les trois premières questions? Oui. Et c'est quel est le sujet? Quels sont les sujets traités dans ce tableau? À quel genre de toile avons-nous affaire? Paysage, portrait, sujet religieux ou historique? Sois attentif à la composition du tableau, aux couleurs, aux mouvements et aux formes représentées. On pourrait peut-être faire ensemble une ou deux de ce tableau. Seulement pour le martyr de Saint-Gobain. Alors, je vais passer dans les bancs, comme ça c'est pas très clair au tableau, vous pouvez voir ici. Thank you.
peut corriger ? Oui. Alors, quel est le sujet traité ici dans cette peinture ? La mort, ouais, de l'homme cimetière. C'est une notion de mort, de souffrir, le martyr. C'est ça, il est vain, enfin, en fait. Et qu'est-ce que vous savez ce que c'est ici ? Le fesse ? Non. Non, en fait, c'est Saint-Lévin, donc c'est le martyr Saint-Lévin qui est torturé. Donc Saint-Lévin est torturé par des brigands. Et le brigand ici lui a arraché la langue et le donne au chien. Il jette sa langue au chien. Un peu comme le chien. Et le genre ? Baroque. Baroque. Ouais, il fallait prendre une question de deux. Ah oui, entre religieux et historique. Ouais, religieux, religieux. Et comment vous le dites, c'est religieux? Parce qu'il y a un prêtre. Il y a des anges. Oui, c'est ça. Alors, au niveau de sa composition, il y a beaucoup de bleu, foncé ou clair. Il y a du bleu et du blanc aussi. Il y a un cheval blanc et au-dessus, il y a du rouge. Les anges ils sont un peu éclairés par une lumière que j'ai mis. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, Rubens il utilise les couleurs primaires, donc vous remarquez le jaune, le rouge. Le blanc. Oui, aussi le blanc. Et alors, la couleur première, il y a aussi le bleu, qui se retrouve dans les nuages ici. Ce qu'on peut dire d'autre aussi, donc cette peinture elle est construite selon une diagonale. Donc, on peut la voir, il faut l'imaginer, par ici. Elle va jusqu'à la coiffe du brigand qui donne la langue au chien. Et elle s'estompe en un cercle. Et dans ce cercle, Rubens a représenté deux anges adultes qui. Donc ils vengent Saint-Lévin. Et alors ici il y a deux petits anges qui donnent à Saint-Lévin la couronne de la béatitude. La béatitude c'est le bonheur absolu. Et ils donnent aussi la palme du martyr. Je ne sais plus exactement. Ouais, c'est celui-ci qui donne la palme se trouve là. Donc on peut remarquer aussi que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y avait un mouvement de panique dû aux anges. Donc on peut voir ici le brigand qui laisse ses mains vers le ciel, le cheval qui s'élève parce qu'il est en panique, un autre homme ici qui part en courant, je ne sais pas si vous voyez, un autre brigand qui met ses mains sur sa tête. Et voilà. Et ici on peut voir aussi Saint-Lévin qui a lâché sa croix qui se trouve ici par terre. On peut voir aussi qu'il y a un brigand, celui-ci qui tient un couteau entre ses lèvres. À cette époque, c'était un motif très courant qui datait du Moyen-Âge. Maintenant, on va regarder ensemble un deuxième tableau. C'est le couronnement de la Vierge. C'est toujours par Rubens. Donc, on va vous laisser aussi du temps pour analyser ce tableau et nous dire ce que vous pouvez voir. Thank you.
Voilà, alors est-ce que vous pouvez me dire quel est le sujet traité ici? Le couronnement de la Vierge. Voilà, c'est ça, c'est le couronnement de la Vierge. On voit bien Dieu et Jésus, en fait, qui déposent une couronne de laurier sur sa tête. Et pour ce qui est du genre, religieux. Qu'est-ce qui vous a permis de. Ah, parce qu'on a Jésus, Dieu, les anges, Marie, je crois. Ouais, voilà, tout à fait. Et au niveau de la composition du tableau, ce que vous avez. Du rouge, du blanc, du bleu, il y a des anges, Jésus, Dieu et Marie. Et au niveau des couleurs, c'est les couleurs primaires. Ouais, voilà. Ce sont les couleurs primaires, en fait. Donc, on voit bien le bleu, le rouge et le jaune. En fait, Marie, on la représente toujours avec une cape bleue sur elle. Parce que, bon, les gens, ils sont peut-être pas très instruits, ils voient des peintures ainsi. Ils ne savent peut-être pas qui sont les personnages. Et donc, dans chaque représentation, Marie est toujours représentée avec une cape bleue. Ce qui permet aux gens de savoir que c'est Marie, en fait. Jésus, lui, est toujours en rouge, et Dieu est toujours en jaune. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, Marie, sur quoi elle se trouve? C'est quoi, justement, sur Marie? Marie-Marie. Non, mais c'est vous. Une pierre. Ouais, une pierre. Oh, c'est vrai qu'on n'a pas de chance. C'est pas la terre. Là, voilà, Dieu, en fait, lui, il est debout sur la terre. Sur la et en fait, c'est bien. Ouais, voilà, mais d'abord, j'ai expliqué pourquoi elle est sur la terre. Il est debout sur la terre, en fait, pour montrer que c'est lui le maître du monde. Il a aussi son sceptre pour prouver ça et pour dire que vraiment, c'est lui qui règne sur le monde, c'est lui qui l'a créé. Et pour, comme Isaline l'a bien dit, Marie, elle est debout sur la lune, car on dit en fait que Marie est la reine des cieux. Alors. Ce que vous ne voyez pas, mais c'est normal, c'est dur à voir, c'est qu'ici, en fait, en dessous des anges, il y a une troisième jambe qui a été effacée. Alors, si vous demandez pourquoi, c'est parce qu'en fait, cette peinture, on la voit ici, mais elle est quand même énorme. Elle fait 4,15 m sur 2,75 m. C'était pour une église en Anvers. Et donc, en fait, Rubens, quand il peignait sa peinture, il avait avec lui des apprentis à qui il demandait de participer aussi. Et apparemment, un des apprentis, en fait, n'a pas très bien fait la jambe, donc ils ont essayé d'effacer en mettant des couleurs dessus. Et ils ont tracé une autre, mais on peut voir encore des traces là. Et avec le temps, en fait, la couleur est partie et la jambe est plus ou moins réapparue. Et on peut savoir aussi que Rubens a fait appel à plusieurs apprentis pour sa peinture, en fait, parce que si on regarde bien les anges de tout près, leur visage, ces anges-ci, ces anges-là, et ceux-ci, en fait, leur visage, l'expression, les yeux, sont différents. Donc, comme on a vu les yeux, on peut remarquer que les yeux ici des anges sont vraiment mal faits. Là, il y a pupille sur le œil, tandis que les autres, ici, on voit bien, ils ont un regard expressif et c'est de bonne vue. Ils sont mieux dessinés, donc on pense qu'ils ont été dessinés par Rubens. Et ceux-là par les apprentis. Alors, ensuite, on va passer à la synthèse. À la synthèse, oui. Donc, pour la définition de baroque, vous pouvez renoter ce que Jean-Michel a mis tout à l'heure ici. Donc je vais vous le relire. Le baroque est un style artistique du 16e au 18e siècle qui vient d'Italie et se répand rapidement dans la plupart de l'Europe. Il est caractérisé par l'exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension et l'exubération. Et ensuite, il y avait son étymologie. Le mot baroque signifie en portugais perle de forme irrégulière. Le mot est dérivé du latin, l'eruca, qui peut prendre le sens de l'étude. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à noter la définition qui soit. Alors, est-ce que quelqu'un peut rappeler les caractéristiques du baroque en fonction des trois parties dont on a analysé? Du mouvement. Oui. Bien sûr. Donc, du mouvement, on a dit par rapport à quoi? Au personnage du La position.
inspiré des personnages. Ouais, c'est pas une idée. Ensuite, était quoi d'autre, j'avais dit des vêtements, oui. Donc on dirait qu'ils sont soulevés ou agités par le vent. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Les effets dramatiques. Les couleurs primaires. Couleurs primaires, oui, on peut dire ça. Bah oui, on peut dire aussi ce que tu as dit. Tu veux savoir quoi? Mais avec le tissu, je suis plus sûr. Ces vêtements soulevés et rejetés par le vent. Donc, couleur primaire, effet dramatique, on retrouve souvent ça, on voit un tour de remains. Quoi d'autre au niveau de la structure? C'est conseil de forme géométrique. Donc, et au niveau de la lumière, sombre dans le bas ou sur le côté, et clair en haut, il y a des jeux de lumière. Et alors, ce que je n'ai pas dit dans la toile avec le martyr de Saint-Lévin, c'est que souvent, la plupart de la peinture de Rubens, on remarque qu'il y a une asymétrie. Donc, la scène principale ne se trouve pas souvent au milieu de la toile. Donc, l'action de la toile n'est pas spécialement au centre. Voilà, donc vous avez bien noté la caractéristique. Oui, monsieur. C'était le plus important. Comme d'habitude, je me permets de faire un petit commentaire destiné à vous permettre de progresser dans vos études. Donc, il s'agit de conseils. Alors, tout d'abord, je trouve que vous auriez pu vous partager peut-être un petit peu mieux le travail, parce que j'ai l'impression que Marie a fait un travail d'analyse un peu plus fouillé que Michel. Je trouve qu'il y a une certaine disproportion un peu baroque, puisque vous parliez de stabilité et de déstabilisation. Je trouve que là, il aurait fallu mieux équilibrer le travail de chacun. S'il vous plaît, Jean-Michel, attends un petit peu. Alors, les mots difficiles, il faut les écrire au tableau, hein, parce que tu as parlé de Ravaillac, d'un certain nombre de gens, il faut les écrire au tableau parce que pour eux, ce sont des mots qu'ils ne connaissent pas du tout. Alors, soit on veut que ces mots restent dans leur culture générale, et alors on les écrit, ou alors ça ne sert à rien de les citer, on dit simplement le meurtrier d'Henri IV, on ne dit pas son nom. Ça va? Il faut essayer d'être logique. La biographie de Rubens, je crois, aurait pu être écrite au tableau quand même. Hein. Parce que dicter. Ben oui, tu l'as dicté, tu ne l'as pas écrite au tableau. Ouais. C'est bien ce que je dis. Ouais. Voilà. Pourquoi? De nouveau, le problème des fautes d'orthographe. Et il se fait que toi, tu en fais beaucoup. Alors effectivement, ça aurait peut-être été pire que bien. Mais regarde le nombre de fautes qui se trouvent au tableau là, pour l'instant. Est-ce que tu les repères seulement? Qu'est-ce que tu as écrit caractéristique? Tu as déjà écrit deux R. Ah ouais. Première faute. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Religieux, il faut un X. Lumière et ombre. Heureusement que Marie est là, elle supprime. Géométrique, il faut un S. Oui, des formes géométriques, il faut un S. Voilà. Donc tu vois, rien que ça, c'est problématique quand même. Hein?
Donc je crois que toi aussi, en maîtrise de la langue, tu risques d'avoir des problèmes si tu n'es pas attentif. Hein. Et je vous dis, avoir 12, c'est pas évident. Donc je ne vais pas vous faire peur. Je vous dis au contraire, pendant vos vacances de Pâques, tapez sur le clou. Hein. C'est trop bête d'avoir une deuxième session à cause de la maîtrise de la langue. Non, mais c'est en vrai. C'est bien. Voilà, donc tu connais tes faiblesses. Ouais. Mais j'ai remarqué que dans la classe, il y a quand même plusieurs d'entre vous qui semblent avoir un gros problème d'orthographe. Donc faites très attention avec ça. Alors pour aller à l'essentiel maintenant, pour les compétences que vous avez exercées, vous êtes parti de l'observation, très bien. Ensuite, les étudiants, les élèves doivent déduire, très bien également. Ils doivent faire des comparaisons, très bien aussi. Donc tout ça est varié et les oblige à exercer des compétences différentes. Vous leur demandez de mettre en relation une source iconographique avec une définition dictionnaire, très bien également. Marie, il faudrait peut-être veiller, et toi aussi d'ailleurs, hein, à ne pas tenir constamment vos feuilles en main. Alors, je vois que vous avez fait une analyse qui est sérieuse, fouillée, mais il faudrait que vous mémorisiez davantage ce qui se trouve dans vos feuilles, parce que on a l'impression que vous êtes sur un navire et que vous tenez constamment la balustrade. Alors ici, ce n'est pas trop grave, mais lorsque vous serez devant des élèves, ils vont le percevoir consciemment ou inconsciemment comme un manque d'assurance. Donc je crois qu'il faut faire mémoriser davantage. Alors je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir une feuille mémo sur votre table, que vous regardez de temps en temps, mais c'est uniquement de temps en temps et c'est surtout pour les mots spécifiques, des mots compliqués, des concepts, des choses comme ça. Pour le reste, il faut essayer de maîtriser vous-même la matière. Donc, étudiez, quoi. Ça va? Il y a un phénomène de mémoire. Bon. Alors, très bien d'avoir fait circuler le dictionnaire aussi, au moins auprès d'une étudiante. Alors là, vous n'en pouvez peut-être rien, c'est même sûr que vous n'en pouvez rien, mais c'était un petit peu dommage que pour un document iconographique, vous n'ayez eu en main qu'un projecteur qui diffusait cette lumière rougeâtre, en tout cas pour le tout premier tableau, ce qui crée évidemment des difficultés pour les élèves à pouvoir vraiment observer les couleurs réelles du tableau. Donc là, il faut toujours essayer d'exercer préalablement, bon aujourd'hui ce n'était pas le cas, mais quand vous serez enseignant, de veiller à voir, en tout cas quand on fait de l'histoire de l'art, hein, pour d'autres sujets ce n'est pas important, mais quand on analyse des tableaux, d'essayer d'avoir les couleurs telles qu'elles apparaissent vraiment, parce qu'évidemment les couleurs de Rubens, et c'est la raison pour laquelle vous avez fait circuler d'ailleurs l'ordinateur, ben, elles sont beaucoup plus belles évidemment que ce qu'on voit sur l'écran. Hein, c'est beaucoup plus contrasté, on n'a pas cette nimbe rouge, rougeâtre que l'on voit. Voilà, donc je dirais que pour une première leçon, là aussi, vous avez fait un bel effort, vous avez compris ce que c'est que des compétences, mais on sent que vous êtes encore des apprentis par toute une série de scories, ben, l'orthographe, vous tenez vos feuilles en main, ben, c'est votre première année, hein, voilà, c'est un petit peu normal, mais vous rendez bien compte que si vous agissiez comme ça, je ne parle pas de l'aspect méthodologique, mais de tous ces petits à côté en stage, en deuxième année, ben là, ça poserait problème. Et là, je vous le dirai de manière plus vigoureuse. Voilà, j'ai dit.